Ouais, les 6, ouais, bon, on le dit pas trop fort, mais c'est ça. Au départ, c'était une bande de copains. On est resté copains. Hein. Mais voilà, donc ça a plus de 25 ans maintenant. Au départ, le groupe était parti pour faire du Nouvelle-Orléans. Et puis, on a fait ça pendant quelques années. Et puis, la formation a décidé de rajeunir un petit peu le style musical. Et on est parti sur du swing, c'est-à-dire le répertoire des big bands des années 30-40, de l'orchestre de Duke Ellington, de Count Basie. On pourrait définir Swingon comme un mini big band. La façon de bosser, c'est un peu celle d'un big band, c'est-à-dire qu'il y a des arrangements, j'en suis l'auteur pour la plupart. Il y a une section de sax, trois sax, qui joue en section et puis qui improvise aussi, il y a du solo aussi. Chanteuse, il y a une section rythmique complète avec piano, guitare, batterie, contrebasse. Et puis depuis 2-3 ans, on a élargi un petit peu le répertoire. Ce répertoire qui était surtout composé de standards, comme je vous ai dit, de Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller même. Et on a rajouté des morceaux swing français, des chansons françaises swing des années 40-50. Bon, des chansons de Boris Vian par exemple, des chansons de Charles Trenet. On met quand même pas mal le plaisir avant toute chose.